Attention les stations fréquences, attention les stations fréquences pour Dundee 33, 14 ODR 002 qui l'on s'appelle pour le grand QSO du canal 27 avec le forum Les Ondes du Routier. Les 73, Eric, oui, la station que j'ai entendue derrière également. Je t'ai vu là, juste à l'instant, là, sur le chat du forum. Comment vas-tu, Eric? Ça va, Rémi, pas de soucis, voilà. Et j'ai entendu notre station appeler aussi derrière. Hein. Oui, en avant la station, là, pour 14, Victor Eco 27 et 14 ODR 002, en avant. Oui, enregistrer le break, ça arrive de partout. Oui, Eric, il y a eu un autre break en avant le break. Ok chameau, le gastro solide, c'est une perte de temps. Prends la route directement là, du côté des hauteurs de Saint-Émilion, là carrément en haut, là, tu sais là où t'as les vignes, avec les petites rues là, qui serpentent, avec les murs de pierre de chaque côté. Il y a un endroit où tu peux te stationner là avec deux ou trois véhicules là, bout à bout. Là c'est ça m'a l'air d'être l'endroit le plus haut et là tu domines tout le sud-ouest. C'est vraiment l'endroit excellent. Tu perds ton temps à aller manger. Reste avec nous, Hachi. Oui, pour ton SMS, eh bien, tu vois, je l'ai une fois de plus, j'ai pas entendu le SMS. Et effectivement, je le vois. Retour Eric pour Chameau. Ok, 73-51 à Chameau, mais je ne l'entends pas. Voilà, je ne sais pas s'il va le faire de son côté. Et j'en profite pour saluer toutes les stations qui participent au forum ce soir. Aux hommes du routier, voilà. Les Chameaux, retour à toi, mais je ne t'entends pas. Ah, 73 Eric, bon, je te reçois. C'est petit, mais je te reçois. Je te reçois, voilà. T'as déjà vu quelqu'un s'arrêter à feu vert, mais voilà, c'est qui est marié. Voilà. allez, le mouton à toi, ça me dit, si c'est pas que tu es là, tu dis que je reçois, mais c'est vraiment petit, Eric, voilà. Allez, retour à toi. Ok, je fais du SP enregistré là, le break qui m'a semblé entendre derrière. Ouais, alors il t'entend Eric, hein, c'est très QRP de son côté, mais il t'entend quand même, mais il est actuellement là sur la route. Et t'arrives du côté 24, c'est ça Florent? Non, c'est ou pas loin du 24? Ah ouais, c'est exactement ça, j'étais pas loin du 24. Là, je me trouve actuellement du côté du centre-ville là, de Castelnau-Bataille maintenant, voilà. Pour retourner justement au cœur, hein, pour aller au pro, n'importe quoi, hein. Pour aller au gastro solide, et après, si le QSO n'est pas fini, je m'apprêterai à aller sur les hauteurs pour essayer de choper Eric, oui, c'est pour ça que j'essaie de me dépêcher aussi un petit peu, parce que c'est ce qui était prévu que j'aille sur les hauteurs ce soir, mais le temps m'a rattrapé, quoi. Bon ok, je vais te foutre les boules là, chameau. Ouais, alors comme à chaque fois pour le QSO, bon cette première demi-heure là est filmée, il reste encore 24 minutes. Donc autrement dit, t'as pas le temps d'aller manger,
Si tu veux voir ce que ça donne sur la vidéo, parce que je déborderai pas d'une demi-heure. Voilà, les stations sont habituées comme ça. Maintenant, la première demi-heure, elle est filmée. Ok, après le reste, c'est en privé. Donc, si tu veux voir ce que ça donne, je serai toi, j'irai de suite là-haut. Quoi. Par contre, pour le week-end prochain, mauvaise nouvelle pour moi, je serai au pro aussi bien le vendredi soir que le samedi soir. Donc, on m'entendra pas là. Eh bien, tu prendras la relève depuis depuis les hauteurs là de Saint-Émilion. Mais tu dois connaître hein, là où je te dis. Hein. C'est dès que tu sors, tu vois où est l'église, le mur en pierre, la ruine. Bon, tu remontes là par là, vers l'intérieur, tu as une église sur ta gauche, tu continues tout droit, tu as la route qui serpente, et là, entre les rangs de vignes, avec le mur en pierre de chaque côté, et à un moment donné, tu as un aire de stationnement là qui est sur la droite, là, sur un petit bout de ligne droite, avant ensuite de redescendre vers la nationale. Voilà, là, c'est là, sur la droite, où tu es vraiment en terrain bien dégagé, et là, tu domines toute la région, là. D'accord, ok, ouais, mais après, je connais pas trop cette émission, moi, tu sais, mis à part cette terre, Beaujage, Sainte-Colombe, ça veut pas être tout ce que je connais, quoi. Voilà, ouais, non, je connais pas trop les coins, là-bas, ouais, je me promène pas, là-bas. Si en même temps, avec un camion, aller se promener, c'est pas... je prendrais pas mon pied, quoi. Oh, autrefois j'ai eu un fourgon, un gros Ford Transit rallongé, surélevé, customisé, donc la totale. J'aimais bien me promener avec, au contraire, c'est une invitation à la balade. Ok, ça marche. Retour de micro de ton côté, Eric. Donc, ouais, bon, pour ma part, t'as entendu, t'as dû comprendre un peu le QSO là, que j'ai eu là, avec Florent. Donc, le week-end prochain, moi, je suis pas là. Lui, il essaiera de se mettre sur les hauteurs. Voilà un petit peu là, pour les news là, pour le week-end prochain. Ouais, ouais, bah bien sûr, ouais, disons que, je bafouille. À plusieurs reprises, on en a déjà parlé, tous les deux, de ça, mais l'occasion s'est pas encore présentée de pouvoir l'emmener là-haut, et c'est vrai que quand tu vois le point de vue qu'il y a, là, de là où je me mets, là où je me mettais plutôt l'année dernière, ou cet hiver, je sais plus, c'est vraiment royal, quoi. C'est là où j'emmène la secrétaire. Dis-lui pas, elle est en train de faire la vaisselle, donc là elle n'entend pas, quoi. Je sais pas, on va laisser un blanc. Alors, les stations en fréquence pour le QSO La Serre du canal 27, en avant. Oui, ça se fait. Attends.
Oui, j'ai entendu une station là parler là derrière, là qui a repris le micro, mais c'était très 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 petit là de mon côté, à peine inaudible, complètement noyé dans les QRM. Je sais pas qui c'est, mais je vous ai entendu la station. Les bonnes sont 1351 à vous de la part de Dandy 33 14 ODR 002 sur le secteur de Saint-Émilion-Castillon-la-Bataille, plus présentement, plus précisément, n'importe quoi, sur Sainte-Colombe. Voilà, autrement dit, pas très loin de la limite de la Dordogne. Eric, retourne le micro à toi pour voir si des fois tu l'aurais entendu. Ok, j'entends la station parler, mais c'est bref, voilà, donc si la station est toujours là, mais en avant, il est 73, 14, Victor Eco, l'opérateur Eric. Retour avant la station. Ouais, j'entends plus non plus, hein. Pourtant, il y a bien quelqu'un qui a repris le micro. Belphégor, je pense pas, parce que je ne le vois pas sur le chat. Attends, je réactualise un petit peu pour aller voir en bas du forum là, les personnes connectées. Pourtant, il est là. C'est peut-être Belphégor qui s'est manifesté derrière. Belphégor, si c'est toi qui t'es manifesté, mets-nous un petit message de confirmation là sur le chat. Allez, Thierry, sois là dans le micro. Ok, ça marche. Donc, oui, il y a. Tu as Belphégor qui est. Alors, là, il a une très petite puissance. Il en voit que 5 watts. Bon, il essaie de tourner la Yagi, là, de notre côté. Avec 5 watts, ça va pas aller, ouais. Eh bien, ouais, je te lis le message. Je suis sur la QRG, mais j'envoie 5 watts en QRP avec mon 817. J'essaie de diriger ma Yagi, mais loin du compte. Voilà, je t'ai lu le message. Avec 5 watts, c'est qu'est-ce qu'il fait ? Il tourne sur le driver, là. Ouais, en gros, ça doit être ça, oui. Alors là, 5 watts, c'est pas suffisant, même avec le bon antenne. Il en faut un petit peu plus quand même, hein, parce que là, à 5 watts, ça va pas très loin, ça va pas aller chercher loin. Mais, ouais, je sais pas, il est peut-être en train de faire des essais, hein. Ouais, mais déjà que dans le temps normal, moi je l'entends pas, alors là, 5 watts, c'est même pas la peine. Mais, ouais, je vais essayer de lui dire, là, qu'il envoie un peu plus, quoi. Avec la directive après, je vais voir, je vais entendre un petit peu tout le monde après. J'ai clairé vite fait pour le gastro et après je reviens. Ok, chameau, à tout à l'heure. Je me dépêche. Ok, mon gastro, je m'entends là. Ouais, 73 Thierry, je me dépêche, je fais vite et je
73. Il y a Belfegor qui va mettre un peu plus de puissance, on va peut-être arriver à l'entendre. Non, à quoi bon avoir autant de puissance? Après, c'est plus amusant, quoi. Il y a plus de plaisir pour la radio, quoi. Quoi que je dis ça, mais j'ai toujours pas démonté mon autre station. J'ai pas eu le temps aujourd'hui, quoi. Ouais, de notre côté, là, ici, sur Roson, il y a tout le week-end la brocante. Donc là, on est allé voir un petit peu ce qu'il y avait. Mais côté matos de radio, non, il y a rien. Hein. C'est vrai qu'il y a des secteurs où il y a des brocantes, oui, c'est vrai, exact. Bon, mais voilà, qu'est-ce qu'il a fait, Chameau? Il est parti au gastro solide liquide, hein? Ouais, affirmatif, il a la bourre de partout, du coup, il est parti casser la croûte. Je lui ai dit de rester avec nous, il ne coûte rien, quoi. Ouais, et puis bon, c'est vrai que cette semaine, j'ai tellement été surbooké que c'est pareil, je l'ai pas vu passer, ça. J'ai même pas vu passer les news sur Internet à ce niveau-là. Ah, on verra bien quelques articles traînés, quoi. Quelques vidéos peut-être aussi avec. Mais Tours, en tant que public, c'est l'entrée est chère, hein. Ah, je sais pas combien était l'entrée, là. Ah, je sais plus, Pascal me l'avait dit, hein, c'est assez cher, quand même, hein. Alors, quelques brefs passages comme ça sur Internet. Je sais pas ce qu'il bricole aussi en ce moment, qu'est-ce qu'il tricote ou je sais pas quoi d'autre. Mais et que ça soit sur le forum, que ce soit sur Facebook
ou sur mon forum, où que ce soit, de toute façon, à chaque fois, il fait un bref passage, et puis voilà, quoi. Ouais, ouais. Toute la journée, là, j'étais chez mes parents. Je suis rentré vers 15h30, quelque chose comme ça. Et après, je me suis mis à bricoler. Je me suis tiré de deuxième ligne depuis mon balcon, là, jusqu'au sac radio, là, pour, avec le sélecteur, dès que je vais avoir le dipôle horizontal, là, pouvoir sélectionner comme je veux, ou l'horizontal, ou le dipôle. Voilà, voilà. Ok, alors, belle figure, mais dit comme ça, je suis ok sur la QRG. Ok, alors on va voir si on arrive à l'entendre. Belle figure pour l'ensemble du groupe, vas-y en avant. Ok, reçu Rémi, ouais, j'étais avec la directive, là. Je suis en train de faire des ah, ça marche. Avec mon YL et on le sort pour ne pas dire autre chose. Voilà, c'est très 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 délicat. Voilà. Ok, et eh ben de mon côté c'est du 43. Voilà, je dis 4 parce que c'est vrai que ça manque un petit peu de volume, mais c'est normal vu le signal. Et un bon signal de 3, c'est vrai que d'habitude tu me passes moins fort que ça. Ah, ça marche bien, hein, ça passe bien là. Ouais, retour du côté d'Eric pour voir s'il t'entend. Ok, 76, belle figure. J'ai indiqué 14 victoires et 7. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas pu comprendre, je n'ai pas pu décoller, mais j'ai entendu parler, il n'y a pas de souci, voilà. Donc, les bonnes amitiés. Ok, c'est reçu, c'est un message reçu. Voilà, retour à lui. Ok, Eric, et lui, il t'entend, hein, il n'y a pas de problème. Il t'a répondu, c'est un message reçu. Ok, il n'y a pas de souci. Tu dois l'entendre, peut-être, toi, non? Moi, je l'entends. Il n'y a pas de souci. Je l'entends, c'est après le Bessego. Je t'entends, pas de souci. Voilà. Moi, je t'entends. C'est nickel. Ok, c'est reçu. Vas-y, tu fais le relais. Ok, tu as Thierry qui est sur Libourne, qui lui te dit justement qu'il t'entend, hein, y a pas de problème, il t'entend. Bah, après c'est niveau radio. Non, là je suis en train de voir avec la France et les balles qui a dit là, mais c'est très très dur à monter, ne serait-ce que physiquement, et à régler, c'est c'est un petit peu possible, hein. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus simple. Voilà. Donc là, c'est pour ça, je vais rester dans l'immédiat avec cet artiste-là. Et puis voilà. Et bon, c'est que du rendu, c'est que du plaisir. Et voilà. Retour Rémi, je vais tourner. Ok, ouais, donc il a pas mal de difficultés là pour régler sa directive. Ça a l'air d'être très pointu apparemment là, très difficile à régler. Mais il prend énormément de plaisir avec sa directive. Et pour le moment, il va certainement rester un peu là en vertical le temps qu'il arrive à régler ça. Retour Eric. Ok, bien reçu là. Bon, il a du mal à régler sa directive, ouais. C'est pas là, ouais. Mais après, une fois que ça s'est fait, c'est un vrai plaisir. Ouais. Bon courage à la rapport, bien sûr. Mec, moi je quitte et je m'en vais ailleurs. Bonne soirée. Ok, Thierry, la bonne soirée. Merci d'être passé. Et puis, à vous, madame. Y'a pas de soucis. Bonne soirée à la matin sur la fréquence consommée. Bye bye. Ok, il y a eu pas mal de moustaches. Je sais pas si Befugger se serait pas décalé en fréquence là, sans s'en rendre compte. Mais il y a eu un petit peu de bouillie là dans l'air. Faut faire attention s'il a des TOS, c'est pas bon. Hein. Ah, ça. Alors, en attendant qu'ils reviennent, on voyait un petit peu s'il y a d'autres personnes qui veulent rentrer dans le QSO. Allez, la porte est ouverte.
c'est sûr. Et allez, c'est reparti. C'est bien. J'aurais pas le problème. Voilà, maintenant c'est parti. Allez, go. Donc, oh là là. Bon, hop, décidément. Ça passait pas là, il y avait un camion. Ok, alors Belphégor, il y a Chameau qui est de retour là, en fréquence après son gastro. Chameau, il y a Belphégor qui est rentré. Bon, ok, quand la vidéo se terminera, j'en relancerai une petite pour que tu puisses voir ça là, après là sur la fin. Quoi. Donc, par message via le chat du forum, bon, il y a Belphégor là qui n'est pas dans les meilleures conditions là, de son côté là, pour trafiquer. Donc, il vient de passer QRT, il nous envoie les 73 à tous. Voilà. Ok, allez, Chameau, là on a eu l'impression d'entendre une Formule 1 là derrière. Ah, ça torche un peu, ça torche. Ben oui, n'en dis pas plus, non. N'en dis pas plus. Bon, on va pas dire plus, c'est ça. Voilà. Et là, j'arrive à Capol. Dis-moi, petite question. C'est en haut de chez toi, là. En haut de chez toi. Alors, on va lancer au parrain. C'est un plateau, là. Avant d'aller chez toi, là, c'est pas mal, là, aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Alors oui, face à la mairie, tu as un chemin de terre qui s'enfonce là entre les vignes. Et là aussi, tu peux te stationner un petit peu là sur la droite. Et j'ai déjà fait, si tu fouilles parmi mes vidéos, j'ai fait une expédition en plein hiver justement à cet endroit-là. La table de camping sortie, le matériel de poser sur la table de camping, la remorque avec l'antenne de montée dedans, plus le groupe électrogène. Voilà, et je m'étais mis justement à cet endroit-là. Quoi. Ah, j'ai la vidéo qui va toucher à la fin. Alors, pour les stations qui vont regarder la vidéo, les bonnes 1351 à tous. Et nous, on continue le QSO pendant ce temps-là. Après, eh bien, la suite, vous la devinez, Chameau s'en va sur les hauteurs. Voilà, à plus. Voilà, nous, on continue le QSO. IP à l'écoute. D'accord, t'es au croisement. Là, tu es juste au croisement de Sainte-Colombe. Eh bien, tiens, là aussi, t'as un endroit. Tu tournes un petit peu, tu tournes à gauche. Et aussitôt, tu te gares là, le long des vignes, là, sur la butte, là, juste à côté du croisement, là, à gauche. C'est là que je suis au niveau des vignes. Voilà. Plus 50, il m'arrive en pointe. Au niveau des vignes, j'ai le pied, face au plus 40, plus 50. Ok, eh bien c'est du 59 plus 40, 59 plus 50 dans les pointes. Voilà, ok, donc voilà, je t'ai fait le report, c'est marqué, c'est filmé. Je recoupe à nouveau la vidéo, voilà, et nous on continue le QSO.